et vous allez revenir. Vous respirez un instant. Soyez conscient de l'espace autour de vous. Et nous allons faire une salutation au soleil, toute simple. Étirement vers l'avant, jusqu'à l'arrière de la nuque. Une légère oblique. Les talons effleurent le sol, mais ne le quittent pas. On amène les mains jointes devant la poitrine, on expire. À l'inspire, les mains montent au-dessus de la tête, ouverture des coudes. Les bras se tendent, c'est une oblique haute. On croise les pouces, les bras vont vers l'arrière, le buste va vers l'avant. On plie les jambes, on déploie le dos et on amène les deux mains de chaque côté des pieds et on remonte le bassin vers le ciel en relâchant tête et nuque. On replie les jambes, le buste se redresse, on tend la jambe gauche et dans une inspire, les bras partent vers l'avant. Paume de main bien jointe, on aligne les bras, le buste et la jambe arrière. On ramène les mains de chaque côté du pied droit. On recule la jambe droite, de nouveau en guetteur. On monte le bassin, talon bien levé, regard entre les mains. Expire, talon au sol et on repousse les aines vers le ciel. On revient vers l'avant, on glisse les omoplates vers la taille. On repasse par le guetteur et on redresse le buste. On avance le sternum, on ne va pas plus loin. Gainez bien les fessiers. Remontez le bassin vers le ciel en accent circonflexe. Expire, talon vers le sol. On aligne bien la nuque avec la colonne vertébrale. On appuie dans le pied droit, on ramène le pied gauche entre les mains. Le buste s'étire vers l'avant, on remonte les bras. On plaque les paumes de main, on est dans l'alignement. On repose les mains de chaque côté du pied gauche. On ramène le pied droit, les deux genoux bien pliés. Et en expirant, on remonte le bassin vers le ciel. Les côtes viennent sur les cuisses. On replie les jambes, les genoux vont vers l'avant. On redéroule le dos, les omoplates glissent vers la taille. Et le corps se déploie de nouveau. On replace Tadasana. Restez dans l'étirement quelques instants. Vous essayez de sentir vos battements de cœur. Vous sentez ces battements dans la poitrine, dans les tempes, dans la gorge peut-être, au niveau des poignets. Essayez juste de sentir cette résonance. Détendez un peu plus vos épaules. Redressez un peu plus toute la zone de la nuque, sans lever le menton. Tadasana. Vous ramenez les mains jointes devant la poitrine, vous expirez. À l'inspire, vous remontez les mains au-dessus de la tête, ouvrez les coudes, tendez les bras bien dans l'alignement, croisez les pouces. Laissez le buste s'avancer vers l'avant et vers le ciel, les bras vers l'arrière. Puis vous pliez les jambes, le dos se déploie et vous amenez les deux mains de chaque côté des pieds. En expirant, le bassin remonte vers le ciel, vous relâchez bien tête et nuque. Vous repliez les jambes, redressez le buste, tendez la jambe droite vers l'arrière. Et dans l'inspire, montez les bras devant vous en alignement du buste et de la jambe. Plaquez les paumes de main. Suspendez le souffle. Ramenez les mains de chaque côté du pied gauche. Reculez la jambe gauche. Vous êtes en guetteur. Vous remontez le bassin vers le ciel. Talon bien levé. Regard entre les mains. Expire. Talon vers le sol. Et vous montez bien les aines. Vers l'avant. Vous repassez par le guetteur. Puis vous redressez le buste. Vous remontez le bassin vers l'arrière. Levez les talons, regard entre les mains. Expire, talons vers le sol.
et toujours un accent circonflexe dans le bas du ventre. Vous ramenez le pied droit entre les mains. Un appui dans la jambe gauche, vous relevez les bras devant vous, plaquez les paumes de main, c'est l'alignement. Vous reposez les mains de chaque côté du pied droit, ramenez le pied gauche. En expirant, vous remontez les ailes vers le ciel, vous relâchez tête et nuque là où vous êtes. Vous repliez les jambes doucement, déroulez, glissez les omoplates vers la taille, redressez le buste. Vous replacez Tadarasana. Et dès que possible, vous prenez conscience des battements de cœur. Vous laissez résonner ces battements de cœur. Essayez de caler votre respiration sur ces battements de cœur. Essayez de ressentir les pauses à plein et les pauses à vide qui se posent naturellement. Une troisième salutation au soleil sur le même principe. Redressez bien le buste, étirez l'arrière de la nuque. Ramenez les mains devant la poitrine, expirez. À l'inspire, montez les mains au-dessus de la tête, ouvrez les coudes, croisez les pouces. Laissez le corps se déployer, les bras vont vers l'arrière, le buste va vers l'avant. Vous pliez les jambes, vous étirez bien le dos, ramenez les mains de chaque côté des pieds et vous laissez le bassin revenir vers le ciel. Vous repliez les jambes, redressez le haut du buste, tendez la jambe gauche. Dans l'inspire, vous tendez les bras devant vous. Une flèche, paume de main bien jointe. Vous ouvrez les deux bras de chaque côté, étirez. Vous emmenez le bras gauche vers l'avant, le bras droit vers l'arrière. Posez la main droite sur le plat externe de la cuisse gauche. Le coude gauche sur le plat externe de la cuisse droite. Vous tournez les doigts vers le ciel, vous regardez devant. Et vous laissez le corps s'étirer. Vous revenez de face, ouvrez les deux bras de chaque côté. Ramenez les mains au sol de chaque côté du pied droit. Vous reculez la jambe droite, vous montez le bassin, chien qui s'étire, regard entre les mains. Expire, on ramène le talon au sol. Sans forcer, on revient vers l'avant, c'est le guetteur. Puis on recule les omoplates vers la taille, on redresse le haut du buste. On remonte le bassin vers le ciel, doucement. Talon levé d'abord, puis expire, talon vers le sol. Vous ramenez le pied droit entre les mains. Jambe gauche bien tendue, vous montez les deux bras devant vous, plaquez les paumes de main. Vous ouvrez les deux bras de chaque côté et en expirant doucement, vous avancez le bras gauche vers l'avant, la main droite vers l'arrière. Vous posez la main droite sur le plat externe de la cuisse gauche. Vous pliez le bras gauche et vous posez le coude gauche sur le plat externe de la cuisse droite. Et vous tendez bien le buste. Vous redressez, le regard est bien vers l'avant. Vous revenez doucement dans l'axe. Posez les deux mains de chaque côté du pied droit et doucement vous ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Vous repoussez les ailes vers le ciel, vous relâchez tête et nuque. En pliant les genoux, doucement, vous redressez le dos vertèbre après vertèbre, menton vers la gorge. Enroulez les épaules. C'est de nouveau Tadasana. Vous respirez longuement. Vous observez votre souffle. Petit à petit, en prenant conscience du souffle, vous allez laisser venir une pause au bout de l'inspire et une pause naturelle au bout de l'expire. Vous laissez la suspension se faire, se mettre en place. Restez-y encore un petit peu plus. Vous observez les battements du cœur.
pouvez les sentir dans vos tempes, dans votre poitrine, peut-être dans vos poignets ou dans la gorge, n'importe où. Essayez de suivre les battements du cœur. Et quand c'est possible, vous mettez quatre inspirations sur quatre battements, ça fait. Vous gardez quatre fois le souffle. Puis quatre expirations, quatre battements. Et quatre fois quatre battements, quatre suspensions. De nouveau, quatre battements, quatre inspirations. Quatre battements, quatre suspensions. Quatre battements, quatre expirations. Quatre battements, quatre suspensions. Vous essayez d'observer. Si vous ne sentez pas les battements du cœur, c'est possible. Ne vous formalisez pas. Vous mettez le rythme qui vous va bien, il vous sera naturellement juste. 4 inspire, 4 battements. 4 suspensions, 4 battements. 4 expire, 4 battements. 4 expirations, 4 battements. Suivez votre propre rythme. Et puis vous revenez. Vous bougez un peu d'avant en arrière, de droite et de gauche. Sentez bien l'appui au niveau des pieds. Et puis vous allez amener la main gauche dans le giron. Vous dégagez bien vos narines. Une fois que vous avez dégagé les narines, hein, nous allons travailler quelques respirations avec Kapalabhati. Hein, c'est des petit soufflet, c'est-à-dire une contraction du bas du ventre, comme nous avons fait en début de cours. Vous placez l'index majeur de la main droite entre les sourcils. Avec le pouce droit, vous allez fermer la base de l'os au niveau de la narine droite et avec l'annulaire gauche, vous fermez la base de l'os au niveau de la narine gauche. Si vous voulez placer une autre mudra que vous connaissez mieux, allez-y, faites-vous plaisir. Celle-là, elle fonctionne très bien. Ça nous amène le point de concentration sur Ajna Chakra, c'est-à-dire le point derrière les sourcils. Donc, placez la mudra. Rétroversion du bassin, redressez le buste. Déverrouillez les genoux. Vous inspirez longuement avec les deux narines. Vous expirez longuement avec les deux narines. Vous fermez la narine droite et vous expirez avec la narine gauche. Relâchez, vous inspirez longuement avec les deux narines, vous expirez profondément avec les deux narines. Inspirez longuement. Expirez profondément. Vous replacez la main gauche dans le giron. De nouveau, vous placez la mudra de la main droite, index majeur entre les sourcils.
Vous inspirez longuement avec les deux narines. Vous expirez longuement. On reprend. Posez la main gauche dans le giron. Vous posez l'index majeur de la main droite entre les sourcils. Vous inspirez longuement avec les deux narines. Vous expirez profondément avec les deux narines. Vous fermez la narine gauche et vous expirez avec la narine droite. Inspirez bien avec les deux narines. Vous expirez profondément avec les deux narines. Vous revenez replacer la main gauche dans le giron, la moudra de la main droite entre les sourcils. Vous inspirez avec les deux narines. Vous expirez profondément avec les deux narines. Et en alternance, vous allez fermer la narine gauche, expirer à droite. Fermer la narine droite, expirer à gauche. Et vous enchaînez. Et vous relâchez. Vous inspirez longuement. Vous expirez profondément.